Nailed 2.0 game. Et à tous, on se retrouve sur nos aventures de Conan. Alors oui, effectivement, j'ai sorti la vidéo du jour de la sortie, le 9, le lendemain. T'as vu, je voulais expliquer que techniquement, je n'ai pas pu car j'ai énormément joué au jeu. Et arrivé à une certaine heure du matin, hein, donc le 9, je me suis dit que faire le montage ne servait plus à rien à cette heure-ci. Donc je l'ai fait juste avant de vous la mettre, la vidéo là, donc voilà. Donc trêve de bavardage, enfin on repart sur nos aventures. Donc aujourd'hui on va construire, bâtir, voilà. Donc je vous ai pas montré, je crois, si ou peut-être la cuisine. Donc là ceci c'est pour faire des baies du désert séchées. Vous mettez de l'écorce, des baies du désert. Je dois en avoir sur moi, je crois, d'ailleurs. Et donc le séchoir qui est ici, ce sera le séchoir à nourriture. Hop, j'en ai un petit peu, ouais, j'en ai. Hop, vous mettez ça, vous mettez en route et il vous les sèche. Pourquoi sécher ces... Donc ça c'est un vaisselier, donc ça prend un peu moins de place qu'un coffre. Devant la fenêtre, c'est pas l'idéal, mais bon, je vais la retirer, je pense. Donc là, pour l'instant, j'ai stocké un peu tout ça. Mon lit, hop, je l'ai mis ici. Quelques bougies, le tam-tam. Voilà, le tam-tam, j'ai dit, bougez pas, bougez pas. Voilà. Et j'ai fait la cuisine ici. Hein, je vous avais montré là, le pressoir. J'ai retourné ça, vous verrez pourquoi. Je vais vous montrer. Ici donc nous avons toujours notre cuisine, hein, donc on peut faire des mets savoureux là. Cuisson épicé, alors cuisson je pense que ça on en arrive sur du rhinocéros. Festin exotique, festin savoureux. Voilà pourquoi je vais faire des baies, parce que je pense que ça doit bien régénérer ça. Lamelle de poisson, lamelle de viande. Comme info, d'accord, et du sel, donc ça doit régénérer un petit peu mieux que le reste. La ruche, je l'ai laissée là pour l'instant. Donc ça, c'est le coin à soins, comme je vous avais montré, pour faire les potions d'aloe. On va aller chercher justement dans la roue notre cuistot. Hop. Tac. Ah oui, je vais vous montrer ça aussi. Ça c'est, j'ai débloqué ça comme ça. C'est vraiment pratique. En fait, cette arme-là permet un combo assez intéressant. Alors voilà. Pourquoi je veux. Attendez, je vais me mettre en face. Parce que... Voilà, j'y arrive. Vous inquiétez pas. Je vais mettre en face comme ça, vous verrez le petit gars. Hop. Donc on va mettre un cuistot. Donc vous voyez les options qu'on a. Mais dès qu'on met un cuistot, on obtient d'autres options. Donc celle-ci, du gruau au miel, mais pour ça il faut du gruau amélioré. Alors on cherchera comment faire du gruau amélioré un autre jour. Et voilà, mon petit gars est ici, il cuisine. Donc il fera mes repas. Hop. Et si je le prends, j'ai recherché un autre, je pense, et que je le mets ici. C'est peut-être là qu'il faut faire le gruau amélioré. Voyez, il se met au fourneau ici, et donc ça va plus vite à cuire les aliments. Ou je voilà. Donc, on ira chercher un autre cuistot, ça c'est sûr, pour en avoir deux. Hein. On a le truc chef, je sais pas quoi là.
Ensuite, j'ai dit que je vais vous montrer une petite chose. Est-ce que y a ce qui m... Ouais, j'ai de l'acier et tout, c'est bon. Pour passer dans les armes suivantes. Regardez, si je mets ça ici et que je mets en route, il transforme mon acier en acier renforcé. Donc il faut de l'acier et du soufre. Alors je vais pas trop consommer l'acier parce que c'est deux aciers. C'est deux aciers pour un acier renforcé. Bah, j'ai plus assez de fer là. Hop, je vais remettre du fer. Et vous, on va voir. Voilà, 36. Il me restait un. C'est 5. 5 fers pour faire un acier. Donc ça fait 5 fers pour faire un acier renforcé. Ce qui coûte très très cher. Oh, je vais les récupérer ceux-là parce que j'en ai besoin. Tout ça, je laisse ça là-dedans. Donc vous voyez, on va pouvoir passer donc aux armes en acier renforcé. J'ai de quoi faire mon arc. Normalement, tout est dedans. Non, le cuir épais, je ne l'ai pas ramené. Alors, il me faut 10 brindilles, c'est bon. Du cuir épais et tresse de soie. Donc, de la soie, j'en avais fait pour avoir un peu d'XP. Donc, on ira faire ça après, chercher, mettre les points. Donc, le cuir épais, j'ai dû le laisser ici. Hop, on va en prendre un petit tas comme ça. On ira après, certainement, une armure aussi en cuir épais, mais ça. Plus tard, cuir épais. Donc là, c'était 10 cuir épais. Et c'est ça. Et ça, c'est un arc. 13 cuir épais. On va en fabriquer. Alors lui, combien? 10. Je pense que celui-ci doit être plus costaud parce que c'est celui qui a la soie. Ah oui, la soie, si je la garde sur moi, c'est sûr que il va pas vouloir me le faire. Et on en fabrique un. Je pense que c'était le dernier. Le plus puissant, ça doit être celui-ci. Donc, on va regarder ses stats. 9. Ça tire 9 de santé et ça fait 8 de pénétration d'armure. Contre celui-là, 5 et 8. Ouais, c'est pas ouf, hein. Mais bon, avec les flèches en acier, ça devrait le faire. Par contre, pour le réparer, durabilité 600. Bon, lui, on va le mettre ici pour l'instant. Oh, j'ai encore des flèches d'ailleurs. On verra bien. Donc ensuite, à un moment donné, j'activerai la purge. Pour voir un peu ce que ça donne, mais il va falloir se protéger. Donc j'ai commencé à me faire un mur d'enceinte. Alors je vais vous montrer vite fait qu'il n'est pas parfait. Mais bon, c'est pour des PNJ hein, et des animaux. Voilà, hein, si je viens ici, bon, au but des murs, vous allez me dire, rentre dans la base par là, mais bien sûr, je mettrai des choses pour. Ben, hop, et sinon, on peut rentrer comme ceci, voilà. Bon, moi je suis pas en PVP, donc c'est juste histoire de voir un peu de faire une enceinte. Sinon, je vais monter les murs plus haut, ce qui ne sert strictement à rien non plus. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, en fait, si vous montez comme ceci, hop là, pardon, si vous montez comme ceci, voilà. Hein, donc, à un moment donné, je pense que ça sert pas à grand-chose. Hein. On peut raid n'importe quelle base comme ça. Donc, il y a un moyen, j'ai trouvé le moyen, mais je l'ai pas mis, c'est de prendre les pentes en pierre et de les mettre juste en dessous. Ici, juste ici là à la jointure et à descendre vers nous, ça la fait monter, elle va passer en dessous de la pente
et elle ne pourra pas se relever, donc elle ne pourra pas s'agripper. Donc là, on ne pourrait pas monter les murs. Bon, ce qu'il faudra faire, c'est jarre explosive et faire un trou. J'ai mis des fondations là comme ceci. Ici, je vais mettre une porte qu'on va aller débloquer. Je vais mettre une grande porte pour que ça fasse une entrée. Et vous voyez comme les fondations, j'étais obligé de les monter les unes sur les autres parce que je ne pouvais pas poser la fondation. Les fondations ne se posent pas sur la pente. Et comme ça fait très moche, vous voyez, ça fait très très moche, hein, enfin très moche. J'ai remis des fondations en enclos, mais devant, vous voyez. Ça fait qu'il y a double fondation là. Ça veut dire que si quelqu'un veut passer, et ça marche aussi certainement pour quand on est en PVP, hein, vous mettez une fondation de niveau 3, plus une surfondation de niveau 3, ou celle-ci, ça fait disons qu'il faut déjà casser celle-ci, plus une autre. Donc vous avez le temps de repérer l'ennemi et de lui balancer des trucs sur la tête. Hein. Donc, on disait qu'on allait. Ah oui! J'ai récupéré aussi, je crois, ah bah à chaque fois je me trompe, j'ai dû en récupérer un niveau 3, voilà, j'en ai récupéré un niveau 3. Pareil pour ici, alors oui, je sais, je stocke mes esclaves dans un coffre, c'est pas sympa. Des archers, ah voilà, un niveau 3, j'en ai eu un et encore un niveau 1, niveau 1. Donc ce que je ferai, c'est que les niveaux 1, on fera comme à l'armée, hein. Chair à canon sur les remparts, hein, les niveaux 1, les troufions devant, enfin les archers niveau 1 devant, et les archers niveau 3, je les mettrai ici, voire plus haut. Ou pas. Peut-être que je mettrai une petite coursive ici à mi, juste sur un angle, vous voyez. Que les angles tac qui monteraient par ici, avec une échelle ou pas, je vais voir. Donc voilà. Ah oui, donc il y a beaucoup de points à lui attribuer. J'ai combattu énormément. Donc j'ai dit que la survie on ne s'en servait pas, mais en fait il faut s'en servir. On peut manger de la viande crue, mais on va éviter pour l'instant. La force. Si j'atteins ce palier-là, on va essayer d'atteindre ces paliers-là. Vu le nombre de points que j'ai, je pense que je vais pouvoir y arriver. Voilà. L'agilité, pareil, dans vitalité, insensible aux écarts de température, et vous bénéficiez d'une régénération passive. Alors, si on veut atteindre le niveau au bout, il va falloir dépenser énormément de points pour avoir le passif. Mais on va le faire, parce que le passif, moi, ça m'intéresse, comme je suis pas doué. Le cran. Parce que là, la précision, attaque, ok. Le cran, les monstres bénéficient du dégât résistant. Vous bénéficiez d'une résistance naturelle aux dégâts. Quand on arrive, non, c'est vous récupérez votre endurance 10% plus vite. On sait jamais, ça peut aider. Ou alors, chez l'agilité, qui serait intéressante à avoir. Les dégâts que vous subissez en cas de chute sont réduits de moitié. Oh oui. Oui, je le veux ça. Parce que vous voyez pas, mais hors enregistrement, je suis mort tout à l'heure. J'étais en train de commencer la série et je suis mort, donc la honte. Le cran, niveau 2. Vous récupérez donc votre endurance 10% rapidement. Ouais, votre endurance, si on fait attention, ça se va. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on va essayer de l'obtenir. On va l'obtenir la prochaine fois. Donc, les aptitudes. On va se faire. Donc, j'ai dit des portes. Donc, pour ceci, il me faut cela. Donc, on va le prendre. Donc, on va pouvoir se faire un encadrement de porte en pierre. Les pics pour se défendre. Les palissades. Voilà. Donc, après, on va passer ici. Si c'est pour moi, je vois tout de suite ce que je peux prendre. On va commencer à se faire un jardin en haut. Finalement, je vais faire un jardin en haut. Donc on va prendre ceci. Les jardinières. Jardinière pour plantes décoratives. Jardinière pour plantes décoratives, ok.
Plante décorative, mais non, on s'en fout de tout ça en fait. Bah, c'était peut-être pas celle-là qu'il fallait que je prenne. Décorative, jardinière de décorative, plante à levain, jardinière pour plante décorative. Bah, c'est peut-être. En fait, je me suis trompé, c'était ça qu'il fallait que je prenne. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai 212 points disponibles. Qu'est-ce qu'on va prendre encore? Ce que je vous disais, voilà le chef de cuisine. Alors, je sais pas ce qu'on peut faire avec. Hein. Pour l'instant, on va s'attribuer que ça. On a les poignards en fer. Bon, non, mais là, j'ai pris les poignards d'acier, donc c'est bon. On a aussi les javelots émoussés pour assommer nos gars avec les flèches. Les flèches ou la massue, ça peut être pas mal. J'ai vu qu'on pouvait avoir ceci, le masque filtrant. Vous savez, quand je suis passé dans la. Où il y a les gorilles. Masque filtrant qui empêche de respirer les débris véhiculés par les tempêtes de sable. Ce qui peut me sauver la vie en tempête de sable. Donc, on va le prendre. Il y avait aussi. Il y a les soins niveau 2. Et après celui-ci. Alors, je sais plus où c'est ça. Survie, je pense, voilà. Alors, je sais pas du tout comment il se fabrique. On va aller voir ça. En termes de survie, fumier jardinière permettant de faire pousser des plantes. Ouais, agriculteur, jardinière améliorée permettant de faire pousser des plantes plus rapidement. Jardinière grossière permettant de faire pousser des plantes mais lentement. Ouais, donc on va prendre jardinière. On va prendre ça. Ça va faire ses plantes à côté de chez nous. Bon, on va garder le reste des points. Hein. On a déjà pas mal de choses à faire. Hein. Donc on repart à l'inventaire. Et voyons voir un peu où le soin. Voilà, qu'est-ce qu'il faut? Et je parle, c'est du cuir épais, je m'en doutais. Cuir épais. 20 feuilles d'aloe et du miel. Donc c'est le cuir épais, on va le garder quand même pour se faire une armure, hein. Pas se cacher. C'est compliqué là, de faire ça sans cuir épais, sans avoir d'animaux à porter. Il va falloir que je trouve un endroit plus approprié pour me trouver des soins. Donc voilà. Ah non, je voulais pas autre chose. Hop, aptitude. Je voulais prendre autre chose dans les armes. Non, c'est peut-être pas dans les armes ça que j'ai vu ça. C'est quoi ça? Hache de lancer en acier durci. Ah oui, voilà. Donc les armes en acier durci, ça commence à venir. Hache de fer. Ah, elle était pas mal celle-là, elle faisait 25 comparé à celle-là qui fait 18. Celle-ci fait 32, donc on va pas s'embêter. Hein. Ça fait combien ça? 24, 30, 35, 34. En acier durci de confection cimérienne, 36, 44. Ah bah voilà, ça commence à bien. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est voilà ce que je cherche. Le couteau en acier, pareil. Pour dépecer, je pense qu'on peut dépecer beaucoup plus. Donc on va aller se faire ceci et on va les tester après. Allez, c'est parti. On va aller faire le couteau en acier. Depuis le temps que je voulais un nouveau couteau pour dépecer, voir si on dépece beaucoup plus. J'aurais pu rentrer par là. N'importe quoi. Hop, je dois avoir un peu d'acier là-dedans de toute façon. Voilà, qu'est-ce qu'il me faut? Je parie qu'il va falloir du cuir épais. Non, 4 planches. 4 planches, ouais, je les ai, bah, j'ai tout, je peux le fabriquer. Hop. Voilà, on le fabrique. On va le mettre à la place de la pioche. Ceci, on va le mettre ici. On va quand même le réparer, même. 12 barres de fer, ah ouais, et de le fabriquer, ça m'aurait pris combien? 20, ah oui, d'accord, bon. Voilà, donc,
Ils sont dans mes mains. On va aller. Hop là, pardon. Oula. C'est parce que j'ai l'habitude de. Là, je suis en train de vous préparer une nouvelle série, je peux vous le dire. Et il faut appuyer sur le bouton pour tourner. Enfin, c'est galère et je confonds mes touches. Donc, on va aller voir. Hop, toi. Désolé pour toi. Donc, ils se sont barrés, mais c'est pas grave. Donc, on va prendre l'ancien couteau et on va dépecer. 20 et 20 pots. Ok. Je devais pas avoir de pots sur moi. 52 pots. Non, on va recommencer parce que 52 pots. Alors, on a 52 pots. On va. Voilà, 52 pots, on a dit. Donc. Ça va faire 36 là que j'ai dû voir. Ouais, c'est ça, 36 pots. 36 pots, et maintenant il faut qu'on se retrouve une gazelle. Reprendre celle qui est là-bas. Voir un peu ce qu'on dépece. Alors, on prend notre couteau, notre nouveau couteau. 24. 44. Ah ouais, on dépece un petit peu plus. Pas énormément plus, mais bon. On va voir sur lui là ce que ça donne. Et ainsi toi. Généralement, lui, quand tu lui mets le combo. Ouais, donc si on dépece quand même beaucoup plus qu'avec le couteau en fer. Bon, c'est déjà une bonne chose. On va aller. Donc ça veut dire que si je vais rechercher du cuir épais, hein, de la peau épaisse, je récupérerai certainement plus de matos sur les gorilles. Donc hop 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 hop. On va se débarrasser de celui-ci. Hein, ce qui ne sert pas à grand-chose. On va mettre celui-ci ici. On va remettre ça ici. Je vais inverser avec l'arc. Voilà. Bon, là on n'est pas trop mal. Ça, faut le réparer parce que j'ai pas envie qu'il casse. Il y a une question que je me posais, est-ce que si quelqu'un, je sais pas si j'ai déjà posé la question, là dans les aptitudes, on va passer comme ça pour voir si je le trouve plus facilement. Est-ce que j'ai pas dit. Voilà, ça. Cage grossière réalisée en branchage. Hein? Est-ce qu'on peut mettre dedans nos esclaves? Ça coûte un point à débloquer, je le ferai bien. À partir de branches, à partir de branches, à partir de branches. Grosse. Je sais pas si on peut mettre des esclaves dedans. C'est-à-dire qu'ils sont pas à service, c'est-à-dire qu'on le ramène, on l'emprisonne parce qu'on n'a pas le temps de la servir. Je sais pas si quelqu'un sait, ce serait intéressant de savoir. Je testerai certainement dans une autre partie que j'ai moi solo parce que je voudrais pas pourrir celle-ci quand même non plus de trop. Hop, on va remettre comme ceci. Non. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer quand même que les poignards sont efficaces sans trop me faire tuer. Est-ce qu'ils sont revenus eux? Non, vous n'êtes pas là? Non? Non, vous n'êtes pas revenu encore? Bon, je vais faire votre coffre quand même. Ah bah non plus, tiens. Bon. On va aller dans le petit camp. Peut-être pas dans le grand camp là-haut parce qu'ils sont quand même nombreux. Ah, je prends moins de dégâts de chute maintenant, c'est vrai. Ah, ça c'est bon ça. Si elle est envoyée dans le grand camp, tant pis, quitte à mourir. Hein, de toute façon, comme j'ai dit au serveur que je ne perdais pas mon stuff. Bonjour madame. On va y aller. Ouais. Tu me suis toi?
Voilà, comme ça au moins lui c'est fait. On va se faire le l'espèce de machin là. Pour pas qu'il m'embête. Oh bah ben, il est j'ai là que sur ma machine. Voilà, ça c'est fait. Pour vous dire c'est très efficace. Mais alors très. Alors. Grimpons là-haut. Et allons voir. Ah bah, je suis monté trop haut en fait. Alors, déjà on va tester l'arc. J'ai dû mettre en 4. Voilà, donc là. Ou alors je me fais un deuxième porteur, mais le problème c'est que je peux pas les utiliser en même temps. Beaucoup trop loin. Est-ce que c'est parce que je suis en hauteur ou alors parce qu'il tire plus droit lui? Ou visiblement. Sa force fait que on peut. Oh oui. Oh, c'est une combattante. Elle est où? Voilà. Arme très efficace. Je vous le dis. Ah bah je crois que c'est là que j'ai trouvé le cuistot. On va peut-être s'en retrouver un. Ah ouais, c'est celui qui est là-bas, le cuistot, là-bas. Droit devant moi. Ne bougez pas, on va essayer de se faire un cuistot en direct. Donc visiblement, on peut tirer beaucoup plus droit. They're coming. On peut tirer beaucoup plus droit avec cet arc là, on n'a pas besoin de prendre de hauteur. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Ouais, je vais prendre. Je vais prendre leurs petites affaires, allez. Je ferai le tri après, de toute façon je suis quasi à vide là. Hop, dis-moi ce qui t'a toi. Ah bah tiens, ouais c'est bon ça. Non, il y a un chaudronnier. Un chaudronnier ou un cuistot, je sais pas trop. J'ai essayé de l'avoir d'ici celui-là, mais. Oula, d'accord. Là, il n'y a plus personne. Et celui-ci, il est mort. On va aller looter ce qu'il y a dessus. Ah, bah, il y a de la pièce. D'accord, hop, on prend. Et du bois sec. Alors, est-ce que lui, je vais l'avoir? Oh ouais, direct. Et lui. Par contre, Néo est une nouille, donc Néo ne s'est pas préparé à la... On va s'en prendre un petit peu, mais c'est pas grave. On va loquer. Alors pourquoi je peux pas l'avoir? Ah c'est bugué là je pense, parce que là j'ai aucun, je prends aucun dégât. Je vais m'éloigner. On va faire ça à l'ancienne. Voilà. Alors, le lien. Objet cassé. Comment ça se fait que j'ai perdu mon lien? Ah, mais non. Je vais aller à la main. Ah non, j'avais mon lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai crafté. Il y a eu un bug. Là, j'ai perdu mon lien. Mince.
Je ne le vois pas chez moi. Bon, tant pis, on va se faire un lien. Il faut de la ficelle, il m'en faut 5. Il faut 5 ficelles. Une, deux, trois, quatre, cinq. Est-ce que je vais avoir assez pour me faire un lien? Ah, j'ai pas assez de ficelles. Cinq ficelles. Je comprends pas que mon lien il s'est cassé là. Je sais pas où il est. Ok, c'est pas grave, on va la ramener avec ceci. Alors, cuistot niveau 3, je peux vous dire que je suis assez content. J'ai pas looté le coffre, je crois. Ah non, c'est par là qu'il faut que je redescende. Alors là, vous voyez, un cuistot niveau 3, ça vaut le coup, hein. Je vais me remettre les maraudeurs. Ah, bah non. Que je suis bête. T'es ouf. C'est ça le problème de ça, c'est que je ne peux pas avoir ces couteaux-là. Hop. Non. Voilà, il faut prendre la hache. Donc là, normalement, on doit pouvoir traverser. Donc là, je vais avoir un cuistot niveau 3. Donc j'ai un cuistot niveau 2 et un cuistot niveau 3. Ce qui est pas mal. Bon, je sais que le temps de la vidéo est dépassé. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le croco que j'ai tué. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait penser à un truc d'un autre jeu que je suis en train de vous préparer. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Donc, hop, donc je finirai mon rempart, je mettrai ma porte en pierre. Oui, donc il faut que je repasse par là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oula. Faut que je me dépêche à rentrer. Voilà. J'ai mon cuistot qui est dedans. Qui est donc niveau 3, ça va aller beaucoup plus vite. Et puis là, évidemment, il y a une tempête, donc on va rentrer. La vidéo va s'en arrêter là. J'espère que vous avez appris des choses. Je vais me refaire un lien en cuir, bien évidemment. Hop, je ferme la porte. Normalement, j'ai fait une porte là pour accéder derrière. Mais comme il y a une tempête, est-ce que je prends du dégâts? Oh, pardon. Non. Bon, non, si j'ai quand même prendu des dégâts, je pense. Il faudrait peut-être le masque filtrant. Je regarderai combien ce qu'il faut pour en faire un. Je préparerai tout ça la prochaine fois. Donc on a vu. Hop, pardon. Ah, ce qui est bien, c'est que les torches à l'intérieur ne bougent pas. Ok, ça va. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc, allez, merci de m'avoir suivi. Ciao, bye bye.